Bonjour, très chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir de me trouver au-devant de vous. Et que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'en profite encore pour cette occasion, vous souhaiter mes meilleurs voeux de prospérité, de longévité. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde tout au long de cette année, qu'il vous protège et qu'il puisse réaliser encore ses promesses dans vos vies et que cette année puisse être une année de gloire et de grandes choses avec le Seigneur. Et que Dieu vous aide, qu'il vous tienne avec sa main droite pour vous aider dans cette marche chrétienne ensemble avec Jésus notre roi. Et sans plus tarder, nous allons devoir continuer avec notre enseignement qui a pour thème le repos des dieux. Alors, le repos, nous avons défini le repos comme étant une cessation de toute activité, le retour au calme, à la tranquillité. Et le repos est un élément majeur dans la vie de l'homme. C'est le repos qui contribue à l'entretien de la vie de l'homme. Lorsque l'homme manque le repos, lorsque le repos fait défaut, les choses vont très mal pour l'être humain, tant intérieurement que physiquement. Le repos contribue à l'entretien de la vie de l'homme et même au-delà. Le repos est un facteur essentiel. Et j'aimerais souligner une chose, que le repos dont nous sommes en train de parler, c'est un repos que Dieu procure. Un repos qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Il est vrai que nous pouvons dormir profondément. On se réveille, on se dit « Waouh, on a bien dormi, je me suis bien reposé. » Mais cependant, intérieurement, il y a toujours des problèmes, il y a des besoins, il y a des situations qui nous rongent. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler du repos et de ce repos intérieur que seul Dieu peut donner à l'homme, que seul Dieu peut procurer à l'homme. C'est pourquoi je vous invite à donner présentement les oreilles à la parole du Seigneur, à m'écouter attentivement, à ouvrir complètement vos cœurs, puisque le Seigneur a quelque chose à vous communiquer. Écoutez-moi, très chers téléspectateurs, c'est un grand Dieu que je vous présente en ce jour. C'est un Dieu qui est capable de tout. C'est un Dieu puissant. Plusieurs personnes ont tendance à minimiser la puissance de Dieu. Plusieurs personnes ont tendance à oublier que le Seigneur est puissant. Lorsqu'on parle de ce que Dieu est capable de faire, beaucoup de gens se posent mille et une questions. Est-ce réellement Dieu peut-il guérir mon problème? Est-ce réellement Dieu peut-il me délivrer? Si Dieu ne pouvait pas le faire, je n'allais pas t'apporter cet enseignement. Peut-être que là où tu es, le repos est un problème majeur dans ta vie. C'est un problème. Tu te dis, mais qui pourra me délivrer? Qui pourra m'apporter le soulagement? C'est pourquoi en ce jour, je suis en train de parler du repos de Dieu. Je ne te parle pas du repos que moi, je peux te procurer. Je ne te parle pas du repos que les hommes pourront te procurer. Mais je te parle du repos que seul Dieu pourra te donner. C'est pourquoi nous allons nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu afin de comprendre ce repos-là. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, et nous allons comprendre cette invitation que Jésus-Christ lance à tous ceux-là qui écoutent son message. Lisons Matthieu, chapitre 11, le verset 28. La parole de Dieu nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez, Jésus lance une invitation. C'est une invitation qui est ouverte à tous ceux-là qui l'entendent, à tous ceux-là qui écoutent sa parole. Il dit « Venez à moi ». À tous ceux-là qui subissent des échecs spirituels, il dit « Venez à moi ».
Cette invitation ne s'adresse pas seulement aux Juifs de l'époque de Jésus-Christ. Ça ne s'adresse pas seulement aux gens qui étaient devant lui ou autour de lui. Il s'adresse à toutes les générations. Il s'adresse à toutes les personnes. Écoutez-moi, très chers téléspectateurs. Je vous présente un Dieu, un Jésus qui est capable de tout. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'il y a une religion qui peut pratiquer ou donner le repos. Il n'y a aucune religion qui peut vous donner le repos. Il n'y a aucun homme qui peut vous donner le repos. Le seul qui peut vous donner le repos, c'est la personne de Jésus-Christ seul. Et c'est pourquoi c'est Jésus que je vous présente. C'est pourquoi je suis en train de vous faire lire ce verset de Matthieu, où Jésus-Christ invite les hommes en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués. » Peut-être que tu es fatigué là où tu es, tu te dis, « Je suis fatigué de la vie. » Qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui rend votre vie très pénible? Vous vous dites, « Je suis vraiment fatigué. » Tu ne sais pas t'en sortir. Vous savez, bien souvent, nous connaissons des gens, on pense qu'ils sont robustes, on pense qu'ils sont très forts. Ils sont tout le temps, ils font de la gymnastique, ils courent, ils font ceci. On pense qu'ils sont plus forts que nous, mais cependant, intérieurement, ils sont rongés, ils sont bousillés. Alors Jésus se tient debout. Il lance un défi à toutes les générations, à toutes les époques, à tous les siècles à venir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Oui, c'est le plus grand homme de tous les temps. Et laissez-moi vous dire une chose, aucune personne, aucun employeur, aucun pays, aucun gouvernement n'a la capacité de procurer le repos. Seul le Seigneur est capable de procurer le repos. On peut nous payer de l'argent, on peut nous donner de l'argent pour qu'on aille trouver le repos, l'équilibre au bord, je ne sais pas, d'une plage. Mais cependant, le repos intérieur, il n'y a personne qui pourra être capable de te le procurer. Personne. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, « Venez à moi, où que vous me suivez maintenant ?» Quels sont les problèmes que vous avez au fond de votre cœur? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement agités à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont tellement troublés. Il suffit qu'ils ouvrent seulement, s'ils vous permettent de vous ouvrir la chambre la plus secrète de leur cœur, vous verrez combien est-ce qu'ils sont troublés. Tout le monde a besoin de Dieu, que tu sois pauvre ou riche. Tout le monde a besoin de Dieu. Jeunes gens, vous avez besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Qui que tu sois, là où tu es, tu pourras te dire, non, moi je me suffis. Non, c'est une invitation qu'il lance à toutes les générations. Pourquoi? Parce qu'il a promené ses regards. En tant que Dieu, il a regardé, il a vu les problèmes auxquels nous sommes affrontés et il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de ceux qui nous accablent. Il a eu pitié de ceux qui nous malmènent. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas là au devant de vous pour faire un discours, mais je suis en train de vous donner des paroles de vie parce que Dieu est capable de vous communiquer sa vie. Il dit, venez, où que vous me suivez, où que vous soyez. Dites mon Seigneur, mais voici, j'arrive. Mais voici, je viens, et le Seigneur te communiquera le repos. Dis seulement à Dieu, mais voici, je viens, Seigneur, avec mes problèmes. Il dit, vous tous qui êtes chargés, es-tu chargé de quoi? Qu'est-ce qui te fatigue dans ta vie? Il y a des situations que les autres qui t'accompagnent, les autres qui te connaissent, peut-être que ta femme te connaît, ton mari te connaît, tes amis te connaissent, mais cependant, ils ne connaissent pas le problème que tu affrontes, ils ne connaissent pas ce qui se trouve à l'intérieur de toi-même. Mais Jésus dit, venez à moi, avance vers le Seigneur, dis à Dieu, mais voici Seigneur, donne-moi la paix du cœur. Et le Seigneur te donnera ce qu'aucune personne, ce qu'aucun gouvernement n'est capable de t'offrir. Vous savez, en lisant ce verset, je me suis dit, oui, Jésus est réellement Dieu. Lorsqu'on promène nos regards, on regarde à gauche et à droite, on se dira, oui, nous avons réussi, on a construit des gratte-ciels,
Il y a des pays qui s'estiment être les superpuissances économiquement, militairement et que sais-je encore. Nous sommes là, nous connaissons des progrès sur le plan technologique. On se dit, ok, ça pourra nous soulager. Tout le monde aura accès à ces choses. Mais cependant, intérieurement, nous sommes toujours bousillés. Intérieurement, il y a des problèmes. Il n'y a aucune personne qui pourra nous donner ce réconfort, qui pourra nous communiquer cette paix dont nous avons besoin. Seul Jésus est capable. C'est pourquoi il nous lance cette invitation, il nous lance un défi. Qu'as-tu comme problème? Quel que soit le problème que tu as pendant ces temps, ne te pose pas mille et une questions. Dis-toi seulement, Seigneur, me voici, je m'humilie devant toi. J'avance auprès de toi. Guéris-moi de mon problème. Et le Seigneur t'accordera le réconfort. Il te donnera la solution à tous tes problèmes. Vous savez, aucune personne n'est capable de lancer cette invitation. Aucune personne n'est capable de nous inviter de la sorte. Je le répète, aucune personne. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il lancé cette invitation? Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Et nous irons très bien comprendre pourquoi lui est capable de nous lancer cette invitation. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La parole nous dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Regardons un peu un instant. Jésus a payé le prix. Il a payé la rançon. Tout ce qui nous agite, tout ce qui nous tourmente, lui a porté le poids de toutes ces choses. Le châtiment qui nous donne la paix, ce qui doit te procurer la paix, est tombé sur lui. Tu n'as plus besoin de souffrir. Tu ne peux plus dire non, je vais rester comme ça, je vais souffrir. Tu ne peux plus continuer à souffrir. Tu ne peux plus laisser place à la souffrance dans ta vie, puisque Jésus-Christ a payé le prix de la souffrance dans ta vie. Et il y a plusieurs personnes qui souffrent intérieurement et il n'y a personne qui peut venir à leur secours. Mais Jésus est capable de venir à ton secours puisqu'il t'invite lui-même. Il dit, viens, venez à moi, viens auprès de moi et moi je t'apporterai le soulagement. Il peut te donner ce qu'on ne peut pas t'offrir. Vous savez, tu ne peux pas aller, même si tu as des millions d'argent, tu ne peux pas aller t'acheter le repos. Regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Le bilan est très lourd. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on considère, lorsqu'on regarde la réalité, le nombre de suicides, des tentatives de suicide, c'est un manque de repos. Pourquoi? Parce que l'esprit est agité. Les gens sont agités au-dedans d'eux. Il y a des gens qui sont là, très bien assis. Il y en a qui ont des bons bureaux. Combien de gens n'a-t-on pas trouvé qui se sont donné la mort dans leur bureau? Mais cependant, on les estimait être les plus heureux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ils ont été bousculés. Et il n'y a personne qui peut arrêter cela. Il n'y a personne qui peut arrêter cette hémorragie-là. Qu'est-ce qui te bouscule à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te tourmente là où tu es? Mais laisse-moi te dire que Jésus t'invite. Il dit, venez à moi. Es-tu chargé de quoi? Peut-être que ta conscience est chargée. Peut-être que ton esprit est chargé, sur le plan spirituel tu es chargé, mais physiquement lorsqu'on te regarde, on dit non, tu t'es suffi, tu n'as besoin de rien, tu peux tout te procurer, mais cependant intérieurement c'est vide. Demande à Dieu, Seigneur, comble-moi maintenant, mais voici, je suis là devant toi, comble-moi. Et Jésus est capable de tout faire dans nos vies, Jésus est capable de nous délivrer. C'est pourquoi en ce jour, je vous invite, très chers téléspectateurs, à me suivre attentivement. Et là où tu es, regarde ton problème. Regarde le malheureux état dans lequel tu te trouves. Regarde qu'est-ce qui te préoccupe à cet instant. Regarde un peu ta situation. Regarde en foule. Vous savez, il n'y a personne qui peut entrer à l'intérieur de toi. Tu te connais toi-même puisque l'homme est le seul prophète d'abord de son cœur. Tu es le prophète de ton cœur. Tu te connais toi-même.
Fais l'examen de conscience. Tu verras que tu n'as pas de repos. Si le Seigneur fait mention du repos, c'est parce qu'il sait que le repos est quelque chose de très capital dans la vie de l'homme. C'est très capital. C'est pourquoi, à cet instant, je vous invite à vous approcher devant le Seigneur. Et il y a des gens qui sont tellement tourmentés. C'est pourquoi il y en a qui se sont donnés à l'alcool. Il y en a qui sont adonnés maintenant à n'importe quoi, à la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repos. Tu es fatigué. Chaque fois tu cries, je suis fatigué. Es-tu fatigué de quoi? Vous savez, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme ne peut pas trouver par lui-même le repos parce que c'est Dieu qui est l'auteur du repos. Le véritable repos ne se trouve qu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Tout a été créé par lui et pour lui. Si nous existons, c'est pour sa gloire. Et si nous voulons trouver le sens à la vie, c'est au pied de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous le présente en ce jour en vous disant, seul Jésus est capable de vous procurer le repos. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pendant ces temps? Qu'est-ce qui vous tourmente pendant ces temps? Qu'est-ce que vous êtes en train de connaître maintenant comme problème ou difficulté? Regarde le Seigneur. Il est inutile de faire semblant. Tu as assez longtemps fait semblant. Tu as assez longtemps allé à gauche et à droite. Il est maintenant de regarder la vérité en face. Tu ne peux plus laisser ta vie toujours dans cette situation qui est précaire. Oui, lorsque je regarde tout ce que nous avons comme centre de prévention, nous avons beaucoup de choses, mais cependant, on est incapable de se dégager de ces choses. C'est un problème du repos. C'est pourquoi Jésus nous invite. Humilions-nous devant sa puissante main pour dire au Seigneur, Seigneur, nous voici, donne-nous ce qu'on ne peut pas nous offrir. Et Dieu vous le donnera. Jésus vous aime. Jésus vous aime. J'ai vu beaucoup de femmes essoufflées. Elle se dit, je suis fatigué. J'ai vu des hommes essoufflés. Ils se disent, je suis fatigué. J'ai vu des jeunes gens essoufflés. Ils se disent, je suis fatigué. Lorsque tu leur poses la question, ils ont tout un tas de problèmes. Il y a même des gens qui ne savent pas qu'est-ce qui leur tourmente. Qu'est-ce qui te tourmente? Jésus te lance l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est de ce repos-là dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas prendre une journée, mettre à côté. Non, c'est entrer dans le repos de Dieu qui fera bien-aimer toute ta vie. Tu seras dans la tranquillité. Tu vas retrouver l'équilibre. Tu vas retrouver le sens de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Et il y a un verset qui dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Veux-tu vivre le repos? Regarde vers le Seigneur. Veux-tu vivre la tranquillité? Regarde vers le Seigneur. Veux-tu retrouver le calme? Regarde vers le Seigneur, puisqu'il est lui-même l'auteur de ton repos. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a prescrit le repos, parce qu'il connaissait pourquoi le repos est-il important, pourquoi le repos est-il nécessaire. C'est pourquoi je vous invite, chers téléspectateurs, à travers tout ce qu'on a pu lire, à comprendre l'importance du repos dans la vie de l'être humain. Un homme ne peut pas vivre sans repos. Un homme ne peut pas avancer sans repos. La vie devient de plus en plus amère lorsqu'on ne sait pas se reposer. La vie devient amère. Elle devient amère. On ne peut plus la supporter. Il y a des gens se réveiller chaque matin, chaque fois qu'ils se réveillent, chaque fois qu'ils se lèvent. Pour chaque jour qui passe devient un calvaire. Il se pose la question, où, quand est-ce que ça finira? Il y en a qui désirent la mort. Il dit, mieux vaut la mort que cette vie. Non, Dieu peut communiquer un sens à ta vie. Il y en a qui poursuivent des choses. Ils les poursuivent tellement qu'ils sont incapables de les avoir, de les toucher. Ils sont troublés au-dedans d'eux. Ils sont complètement troublés. Es-tu troublé par quoi? Regarde vers le Seigneur, il te donnera le repos et tu mèneras ta vie dans toute confiance. Il
Il n'y a pas de confiance, de véritable confiance, de véritable repos en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui est capable de le procurer. C'est pourquoi il se tient debout, il nous regarde droit dans les yeux et nous dit ceci, « Venez à moi ». Il faut être humble pour regarder le Seigneur et dire, « Seigneur, oui, je suis complètement chargé ». Il ne viendra pas de lui-même pour te dire, « Tu es chargé, oui, donne-moi ça ». Non, il t'invite. Si tu dis, « Seigneur, je t'invite maintenant, viens auprès de moi, décharge-moi », il te déchargera. Mais si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Dieu attend. Il attend que tu l'invites. Il désire que tu l'invites. Pendant ces temps, lorsque tu es en train de me suivre, invite le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de me suivre, dis-toi, « Oui, je suis fatigué. » J'ai tenté, j'ai essayé par moi-même, j'ai échoué. Tu as essayé. Tu es allé à gauche et à droite, mais tu as échoué. Tu es parti partout, mais tu as échoué. Maintenant, regarde vers le Seigneur. Qu'est-ce que tu n'as pas tenté? Tu as tout tenté, mais tu as échoué. Et tu te dis, non, avec la vie, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué. Plus rien ne m'intéresse. Oui, c'est parce qu'intérieurement, c'est déjà bousillé. Mais Jésus-Christ peut tout restaurer. Il peut tout rétablir. Oui, il est le seul qui peut restaurer une âme. Une âme brisée, il est le seul qui peut la restaurer et il est le seul qui peut en procurer le repos. C'est pourquoi je vais prier ensemble avec vous. C'est pourquoi on va tous se retourner, on va regarder vers le Seigneur de gloire. On va lui dire, Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. En toute humilité, nous voici Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous sauves, nous avons besoin que tu nous tiennes par ta droite. Laissez-moi vous dire que Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Et nous allons prier à cet instant. Nous allons demander à notre Dieu qui nous a dit, venez à moi. Nous allons nous dire, Seigneur, nous voici. Nous venons auprès de toi. Donne-nous ce que nos gouvernements ne peuvent nous offrir. Donne-nous ce que nos psychologues ne peuvent nous offrir. Donne-nous ce que nos psychiatres ne peuvent nous offrir. Donne-nous ce que nos sociologues ne peuvent nous offrir. Jésus, tu es capable. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous le donner. Parce qu'il dit, venez à moi. Tes chers téléspectateurs, humilions-nous devant le Seigneur. Regarde l'état dans lequel tu te trouves. Et dis à Dieu, Seigneur, me voici, je suis devant ta face. Me voici, Seigneur. Il ne met jamais dehors tout cela qui vient à lui. Il ne le met jamais dehors. Il nous accueille. Il a toujours des bras ouverts, notre Dieu. Oui, il lance un défi à notre siècle. Il lance un défi à notre génération. Il lance un défi, bien-aimé. Il lance un défi, notre Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Es-tu chargé? Es-tu fatigué par quoi? Prions le Seigneur, notre Dieu. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous te disons merci, puisqu'en ce jour, tu as trouvé bon de nous visiter. Et tu nous invites, Seigneur, à venir et à entrer dans ton repos. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Nous venons maintenant auprès de toi. Je te demande de me décharger. Je te demande de m'accueillir. Je te demande, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Comme Seigneur et Sauveur, et procure-moi le repos. Jésus, entre tes mains, je remets ma vie. Sous ta protection, je remets mon âme. Et je te demande de me restaurer. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, nous allons encore continuer notre enseignement qui a pour thème le repos. On a beaucoup de choses à se dire là-dessus. Je vous demande donc d'être dimanche prochain au rendez-vous pour que nous puissions partager notre message sur le repos de Dieu. Que Dieu vous bénisse.